Vidéo The Voice. Découvrez les premières images de Pascal Obispo dans le fauteuil de coach. La 7e saison de The Voice aura une saveur particulière. Tout d'abord parce que c'est la dernière pour Flore Pagny. Le coach historique du télécrochet de TF1, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour, je suis content, a-t-il déclaré. Une annonce surprenante pour celui qui vient justement d'accueillir son pote sur le tournage de cette nouvelle édition. Après l'avoir sollicité à de nombreuses reprises. Le chanteur s'est donc installé dans le célèbre fauteuil rouge pour les auditions à l'aveugle. Pour le moment assez timide avec ses camarades qu'il connaît pourtant assez bien, il est très bienveillant avec les talents, mais pas tellement avec moi. Il était très drôle, mais ça ne se voit pas encore, a notamment confié Mika. Un côté réservé qui semble arranger Flore Pagny, c'est marrant de le voir comme ça. Qu'il le soit encore un peu / la discrétion de son ami pourrait effectivement lui permettre de grappiller quelques talents. Adversaire redoutable ou pas / les fidèles téléspectateurs vont bientôt avoir la réponse avec la diffusion du premier numéro de la saison 7 dès le samedi 27 janvier. TF1 a dévoilé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on peut entendre une première voix, une jeune femme qui interprète Live on Mars de David Bowie. Très sérieux, Pascal Obispo se concentre et ferme les yeux pour apprécier ce délicieux moment. Le sourire aux lèvres, il semble parti sur une autre planète. Un sentiment partagé par les autres jurés prêts à faire pivoter leur fauteuil. Si la chanteuse a clairement réussi à envoûter les coachs, on découvrira bientôt quelle méthode l'a charmée.